Et yo les gens, c'est Mustiz, j'espère que vous allez tous très très bien, mais en tout cas j'ai la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de The Road to Inform Bale, les gars. Avec la vente, enfin la vente de tous nos investissements. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'avais pas sorti de vidéo, notamment à cause de tous ces investissements là. Je pouvais vraiment pas faire d'achat-revente sur le compte de Road to Inform Bale. C'est pour ça que voilà, j'ai attendu que tout ça se revende. Et les gars, c'est vrai que ça s'est pas passé comme prévu. Parce que voilà, il y a eu une vague de 16 joueurs qui s'est revendue. Enfin bref, il s'est vraiment chié dessus sur cette deuxième vague, on va pas se le cacher. Heureusement, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à vendre mes deux Rossi, un à 140 000 et l'autre à 145 000. C'est énorme, c'est plus de 100 000 crédits sur chaque Rossi, presque, même en comptant la taxe. Donc c'est carrément énorme. J'espère que certains d'entre vous avaient des Rossi, mais moi en tout cas j'étais dégoûté de voir tous ces Lacazette et tout ça qui n'était pas up. Heureusement, j'avais... enfin, si vous voulez, vous pouvez mettre les certains tweets de personnes que vous suivez en favori. Et vu que j'avais EA en tweet favori, j'ai pu le savoir vraiment très vite qui allait être up, pardon. C'est pour ça que j'ai pu revendre encore mon Lacazette à 42 000, alors que maintenant, il doit plus valoir grand-chose du tout. Et voilà, heureusement les gars, parce que sinon j'aurais perdu beaucoup de crédits. Et là, au contraire, j'ai dû me faire au moins 250 000 crédits, 220 000, enfin entre 200 et 250 000 crédits sûrs. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Et dites-moi vous ce qui vous est arrivé au niveau de vos investissements, sur qui vous aviez investi et ce qui s'en est passé, c'est-à-dire si vous avez réussi à revendre tout ça ou si c'était pas ça du tout. Donc comme vous avez pu le voir, on a réussi à vendre le buteur du Celtic qu'on avait acheté 217 000 à 270 000 crédits. Et heureusement que je l'ai revendu à ce prix, parce que quelques minutes plus tard, les gars, je vous jure, mais vraiment à quelques secondes près, il y a eu une vague de Griffiths ou un truc comme ça qui s'est vendu à 180 000 crédits, les gars. Donc heureusement que je suis dépêché de les revendre. Dites-moi si ça vous est déjà aussi arrivé, les gars, genre d'acheter des joueurs, vous pensiez que c'était une bonne affaire et vous regardez genre 5 minutes plus tard, bah il y a plein de gens qui leur vendent genre 10 000 crédits de moins. Enfin bref, ça m'est déjà arrivé quelques fois, dites-moi ça dans les commentaires. Et on va terminer sur cette vague avec Denis en MDC, un Vela Boost en MC et Lewandowski en MC. Donc voilà, des bénéfices plutôt intéressants sur Lewandowski. Il y a moyen de se faire 5-6 000 crédits. Pareil sur le Vela et sur les Iniesta, on va se faire pas mal de crédits en le revendant 82 000, hein. C'est-à-dire environ 6 000 crédits, 7 000 crédits aussi. Donc c'est vraiment sympa. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve à 645 000 crédits. Si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est super intéressant. Surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai transféré 70 000 crédits de mon compte principal sur ce compte par rapport au pire lot que j'avais acheté à 80 000. Et on sera aux alentours des 700 000. Donc on avance de plus en plus vite. Et vous allez voir que plus j'aurai de crédits, plus ça va aller vite. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes fait un maximum de bénéfices sur ces investissements. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.